fait. Merci, Président, mes membres du bureau, collègues de l'Assemblée. Alors, Président, moi, je remercie vous pour la prise de parole que vous accordez moi. Moi, j'ai commencé déjà pour me dire que on s'apitre dans une situation difficile depuis hier à 9h du matin. Après un funérailles et en fait qui était dans la République dominicaine et puis t'ai des machines sonores qui te prend la rue qui t'a demandé pour tout haïtien quitter territoire dans 24 heures. Président, collègue de l'Assemblée, dans 15 minutes dominicain yo gen tan commencé à massacrer haïtien, bat haïtien coup de couteau, coup de manchette. Président, gros situation de panique qui gagne dans un sapit. Me fait saute parler avec magistrat là, il dit que situation toujours compliquée côté que haïtien continue à venir pas bande pas paquet côté que yo pas gagne moyen. Collègue Lansot dit que un sapit mandé jodi support gouvernement tant sur le plan diplomatique. Parce que problème non son problème, c'est pour un rapport de force. Nous pas capables de dire que nous pourrons résoudre le problème non par la force. Même penser, Président, par la voie diplomatique, nous avons un ministre des Affaires étrangères et nous avons un ministre haïtien vivant à l'étranger qui est fait là. Je pense que ça a vraiment concerné le tout. Mais cependant, nous avons besoin, Président, Invitez ministre défense, invitez ministre affaires étrangères pour que nous venions garder. Oui, parce que nous besoin ministre défense parce que jodi an là depuis bloc 10h, il y a plus que 500 soldats dominicains qui renforcent la quantité que ont gagné déjà dans la frontière. Et ceci, soldats ça est venu, yo pas venir calmer situation. Ils ont venu justement pour renforcer le système de sécurité et continuer à faire chasse aux Haïtiens dans tout coin, dans toute localité, dans le jardin côté haïtien, dès qu'on a travaillé. Donc, Président, comme vous te promettez ça déjà, nous avons demandé au Président, dans le niveau assemblée, dans le niveau bureau, pour rapidement, j'en vous te promettez pour que nous formions une commission, dans le niveau chambre des députés, rapidement pour que nal gade, nal founije gade situation haïtien ap viv jodi an nan ansapit. Président, mwen pense que c'est préoccupation pam comme député jodi an, mais c'est préoccupation nous chaque qui là comme collègue mwen. Donc comme haïtien avec situation compatriote nou yo ap viv jounen jodi an face à répression. Nous connaissons qui j'ai eu quitté le pays. Nous connaissons que c'est face à la situation économique qui n'est pas bon. Mais il va chercher la vie. Président, Mounsa yo, jodian, yo couri, c'est sauve qui peut. Ça veut dire, si il y a 4-5 moun qui couri, si yo kebe youn, l'autre 4 la obligé de continuer à courir parce que si yo kebe l'ap mouri tout, sauve qui peut. Pote n'a parlé là, nous pas dénombrer, nous pas capable énumérer, nous pas qu'un chiffre. Pour nous dire qui quantité moun qui mouri. Et ça yo apprend moi président, chaque moun là ou fin tuer moun yo dans la rue là yo prend yo mette yo sous motosiklet yo al jeté ou dans rage. Donc président, son situation qui vraiment difficile, son moment qui vraiment difficile que compatriotes nous a traversé et surtout dans frontière en sapit dans circonscription que me représente là, président n'a demandé pour que rapidement j'en te promettre li pour nous fournir garder pour une commission parlementaire à fournir garder et pour nous garder qui réponse et que nous capable bail sur le plan diplomatique avec la République dominicaine et qui type de support que nous pral porter pour moun sa yo parce que c'est des moun qui courir quitter tout ça au déposer. Président m'a fini pour me dire qu'on est paysan pas gain canebank yo c'est bête yo garder c'est bourrique yo c'est cheval yo c'est cabrit yo c'est jardin yo je dis des milliers d'haïtiens qui tapent travail sur territoire dominicain. Yo quitté tout ça yo te possédé pour sauver la vie yo. Ça qui pas mourir yo.
Président, encore merci, une fois. Merci, la parole est accordée. Merci, Président. De Grand-Gouave. Merci. L'honorable Jean-Marcel Lumière. Et je rappelle au niveau du bureau que nous sommes déjà en train de travailler sur cette problématique. Donc nous allons permettre aux honorables députés de s'exprimer sur les grands dossiers d'intérêt général. Merci. Merci, Président. Moi salue le bureau, moi salue tout le collègue. Président, moi salue mon ancien secrétaire général de la Chambre des députés, Monsieur Madeleine Fizemé, qui est dans la salle avec nous. Président, seulement regrette que tout député de l'Assemblée n'est pas présent dans la question qu'a débat après-midi, question d'intérêt général. Moi pense qu'il y a d'une importance considérable par rapport au fait que pays, ça a joué, dit, Président, nous tout prêts. Un éclatement social. Jodi, un président, bon situation anarchique cap développé dans pays yon, côté que nous ka même rivé di son pays qui pa ganken gouverne pa gen moun kap mené le président. Moi vle prend le fait que moi ap gade à travers la presse, à travers les réseaux sociaux yo que il y a un communiqué qui émané de premier ministre là qui révoque président une loi. Un communiqué, un simple communiqué révoqué une loi. Donc il y a abrogé une loi. Qui ça lié président? Nous avons un problème avec les agents douaniers aujourd'hui depuis plus que une semaine qui en grève et ces agents là-dedans, yo gagnent qui te gagnent des armes à leur disposition qui te reconnues par un texte de loi voté par le Parlement en 2013 et publié dans les journaux officiels. Tout le monde connaît président dans la hiérarchie des normes que c'est une loi qui a abrogé une autre loi. Or ce texte tient encore debout et on simple communiqué dit désormais que ces agents ne sont plus autorisés à circuler ou y apporter leurs armes. Ça, son premier remarque. Tout en n'étant pas d'accord avec la situation qu'a développé dans le droit de non, on nous prend car un commerçant président qui a importé des matières premières pour arriver à faire production ou bien produit que la baille. Et depuis plus que 8 jours, au grand situation que ces produits sont bloqués. Matin m'a tendé un camarade avec pitié qui a contribué dans production nationale non parce que l'a parlé de production œufs, production de poules en dans pays, il dit toute ça il gagné, il mouri comme poule parce que il pas ca joindre matière première qui permettent que yo exister. Donc ce problème qui méritait une intervention d'urgence du président et du gouvernement. Ou non situation côté qu'on paquet d'entreprises déjà qui commence à faire n'importe parce que production y a fait matière première c'est importé pour importer yo et yo gen des commandes que yo pas ka respecter. N'a parlé d'un pays qui besoin investissement. Mais je vous dis, on a fermé une porte à l'investissement. Parce que lorsque un investisseur produit, fait une commande et qu'il n'a pas de possibilité pour respecter la commande, pour jouer le bénéfice de livraison à temps, eh bien, il n'a pas de Haïti qui est intéressé, il a gagné qui côté la production ça dans le délai qu'il a besoin, qu'il a soulevé la président. Moi, je pense que nous devons attirer attention gouvernement sur le fait que produit national noir il y a deux éléments qui composent le temps comme t'as dit tout à l'heure nous en contact commerce c'est production qui fait c'est produits fait localement plus les importations. On nous connaît qui situation de production nationale production locale noyer nous avons un pays qui plus tourné vers l'importation c'est qui pral provoquer président on demande
de devises pour approvisionner et pour acheter les biens importés. Ou bien une mesure, très bonne mesure du gouvernement, qui prend, mais son mesure, moi pense, dans un moment qui était non nécessaire. Parce que, aujourd'hui, si nous allons sur le marché, gagner un phénomène d'hyperinflation qui continue à développer. Parce que lorsque vous pouvez acheter un produit à l'extérieur, ce n'est pas avec la goutte que vous pouvez l'acheter. C'est avec le dollar. Automatiquement, le dollar devient un produit. Or, si ce produit devient rare sur le marché, on va devoir augmenter le prix d'acquisition de ce produit. Le prix du dollar, c'est le taux de change. Celui qui va importer le produit avec un dollar qui a connu une valorisation par rapport à la goutte, une augmentation au niveau du taux d'échange, et mais Libral ouais que coût de revient produit là li augmenté et qui va payer les conséquences, ce sont les pauvres gens de la population que nous représentons. Je dis à président, moi quoi il est temps, il est nécessaire, tant qu'on pile collègue qui a soulevé là, que nous inviter, nous avons même convoqué le gouvernement à travers son premier ministre, à travers son ministre de l'économie et des finances, son ministre du commerce et autres, pour que des mesures urgentes capables d'envisager pour éviter que le pays s'assombre vers la catastrophe. Merci, président. Merci. La parole est accordée à présent au député Abel Descollines de Mirmalais. Monsieur le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, pour reprendre mon collègue Luméran, je tiens à saluer le bureau qui a permis que nous soyons à ce point à l'ordre du jour, puisque très souvent, gagnant de collègues qui pensaient intérêt général, moi je dis gagnant, pas trop important, même quoi. D'extrêmement important, puisque c'est l'occasion, pas de la divergence politique, non, pour nous survoler, voire exprimer ou encore proposer des éléments de solution par rapport à situation pays. Président, nous écoutez collègue, nous Bélange, qui soutient dans sa pitre, puisque l'actualité haïtiano-dominicaine, c'est surtout du côté de sa circonscription, mais c'est de manière conjoncturelle. Et vous le savez, Monsieur le Président, problématique haïtiano-dominicaine, non, il est une question quotidienne. Peut-être c'est parce que il y a un pile monde qui est blessé, ou de centaines de monde qui fait l'y occuper la scène médiatique. Mais chaque jour, il se passe malheureusement des situations difficiles pour nos compatriotes, que ce soit ça ou qu'ils vivent difficilement sous territoire dominicain. Et à côté de la problématique haïtiano-dominicaine, malheureusement, survient depuis tantôt 2 à 3 ans la problématique haïtiano-chilienne, qui est devenue on l'autre plaie, qui a terni image pays ça, on l'autre problématique qui malheureusement renvoyait à moun kap gade de l'extérieur que nous sommes un État en faillite ou un État où la gouvernance à tous les niveaux, Monsieur le Président, les laisser à désirer. Moi, quoi, c'est important pour conjoncturellement, effectivement, nous adresser problème ça, yo. Formons une commission parlementaire qui pourrait aller en chapitre. Mais, président, la problématique haïtiano-dominicaine et celle Haïti-Chili, moi, quoi que de façon structurelle et structurante, faut que nous aborder au plus haut sommet de l'État.
Et j'ai parlé tantôt de problèmes de gouvernance. Et tout ça n'a vive là, yo, en Haïti et la République dominicaine, ces problèmes de gouvernance que nous gagnons dans le pays, nous. Nous pas produit. Mais on nous prend question rapport entre deux pays. En 1999, vous le savez, Monsieur le Président, sous la présidence de l'ancien président René Préval, il était bâillé naissance avec la commission mixte haïtiano-dominicaine. Et dans le protocole qui avait donné naissance à cette commission, il a été dit, à chaque fois, gagner deux problèmes qui posaient en deux pays, eh bien, commission ça a son commission permanente qui, pour au jour le jour, a travaillé sous toute situation. Ah ben, force est malheureusement de constater, Monsieur le Président, commission ça existait, puisque l'actuel président, Monsieur Jovenel Moïse, il a un premier déplacement été fait à l'étranger, c'était à le visiter président dominicain Danilo Medina. Et cette commission a été relancée. Tout récemment, Monsieur le Président, où t'es fait partie de monde qui t'es conduit en importante délégation, qui t'alle en République dominicaine, le président dominicain, non, dans ses propos, lui dit, l'abtonne que autorité haïtienne yo réactivé, yo réactualisé commission ça, pour que de problèmes qui doivent poser en deux pays yo pour y opposer. Donc cela dit, Dominicain Andrew, lui-même, bon côté pâle, lui connaît une commission ça qui existait, mais du côté haïtien, on a l'impression, c'est chaque fois, gagné un problème, gagné moun qui mourit, et puis c'est le, yo voyé, par contre, on émissaire, et yo dit, ambassadeur est arrivé en sapitre, et consul arrivé en sapitre. Mais après 3 jours, les bagailles ça pas parlé encore, y a tant de qui le pour gon l'autre problème. Et c'est en ce sens, Monsieur le Président, pour le Chili, c'est la même chose. Lors de la visite de Madame Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, avec président Jovenel, il y a une commission mixte qui créait. Mais force est malheureusement de constater, alors que nous gagnons plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui ont quitté le pays à aller au Chili, mais non seulement au niveau de la gouvernance, nous paraissons ça trop préoccupé, mais grand changement de gouvernement au Chili. Là encore, moi crois, l'été important par rapport à ça, Chili vient nous représenter en termes de géopolitique pour pays nous, pour même président Jovenel t'a fait déplacement. Et le cas échéant, établit un cadre de travail pour qu'on ait Chili comme pays souverain. Si à un certain moment, yo te l'ouvri porte yo pour que haïtiens yo allé, mais jodi an yo changé de paradigme pour que nous pas quitter moun yo, yal humilié. Monsieur le Président, m'a fini pour me dire sous question ça. Moi appuyer l'idée pour nous ta réunir dans cette assemblée. Premier ministre, si gagne toujours, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur. Bon, collègue, yo dit ministre de la Défense, m'a accepté lui-même. Écoutez. Merci. Monsieur le Président, je terminerai. 1 minute. Et sous question ça. Président, 1 minute. Et bon paquet de problèmes, Président. Collègue de Colline, s'il vous plaît, vous pouvez toujours revenir à la charge, Très bien. Vous ne pouvez pas monopoliser la parole. La parole est accordée au député Bossé. Merci. Merci, Président. La parole au député Jean-Robert Bossé. S'il est encore dans la salle. Sinon... Ah, merci. Vous êtes là.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, collègues députés, Président, chers collègues, m'a gardé nouvelliste Josian, Président, tout indicateur au rouge. Plus d'un milliard de gouttes de manque à gagner dans les douanes, grève des douaniers, transactions en gouttes, dédollarisation, manifestations des lycéens en plusieurs endroits. Président, c'est des signes évidents, clairs, dont l'État malade. Président, mis à part, Josian, ce n'est pas un député de l'opposition, mais son député qui en quête de consensus auprès de mes collègues, contrairement à la position que j'avais adoptée les deux dernières années de mon mandat. Moi, pas obéi, mais je suis en train de dire à mes collègues que nous sommes tous embarqués sur le même navire. Si le navire fait naufrage, nous périrons tous. Monsieur le Président, merci, collègue, merci. Un minimum de sérénité. Marché boulé, 20 000 gouttes distribuées à des pauvres commerçants, pour la plupart qui gagnent endetté tête à hauteur de 1 million, 2 millions, 3 millions de gouttes auprès des institutions de financement bancaire, etc., de la place. Commune, yo président, section communale, yo totalement abandonné, dépourvu de moyens pour accompagner des mouns qui n'ont section, qui n'ont besoin extrême, Monsieur le Président. Président, à moins de 5 mois du début de cet exercice fiscal, le gouverneur de la banque lui-même a accepté que nous accusions un déficit de 9 milliards de gouttes pour le gouverneur et pour d'autres économistes, l'y avoisiné de 14 ou 15 milliards de gouttes. Donc, si nous étions à information de la Banque centrale là, et si ça brale de train que nous avons, nous capables aisément, compte tenu qu'il y a 4 mois, qu'il y a 3 fois 4 mois dans 12 mois, nous t'as qu'à aisément multiplier les 9 milliards de gouttes par 3, nous t'as capable, n'a pas souhaité que c'est pas ça, au terme de cet exercice fiscal, accusé un déficit de 27 milliards de gouttes. C'est la catastrophe, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Chili, moi-même, moi, honte, Monsieur le Président, j'ai demandé plusieurs fois au cours de différentes interventions que j'ai faites sous plusieurs antennes radio, moi j'ai demandé à mes collègues députés de toute tendance pour te font passer dans ti aéroport pour yo wè le désespoir. Moi passé moi wè des jeunes, Monsieur le Président, comme si yo dit bon vagabond, c'est nous qui mettez nous dehors dans pays à nous, c'est des étrangers, pays a pas pour nous, m'a quitté pays une bon nous bon vagabond. J'ai honte, Monsieur le Président. Il faut, c'est une lecture, Monsieur le Président, que me fait sous visage, comme l'a bien précisé mon collègue Lemérand. C'est vraiment, vraiment difficile, Monsieur le Président, des jeunes de 18, 20 ans, 15 ans,
avec des timons sous braille de 10 ans, qu'accompagné de 10 ans ou de 3 mois ou de 6 mois, monsieur le président, il a parti pour un pays étranger que on va chercher on la vie meilleure, une situation que pays yo pa ba yo, que nous-mêmes comme élite dirigeant comme responsable nous pas offert. Monsieur le président, parce que pas gain aucun contrat sous question migration entre Chili et la République d'Haïti. Monsieur le président, pire c'est que dans titre nouvel islam, il dit moins nombreux les Haïtiens continuent de s'envoler vers le Chili qui n'a pas changé ses règles d'admission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire après refoulement d'environ 169 de nos compatriotes qui étaient dans un aéroport pendant près d'une semaine, il paraît, selon le nouveliste, que ont continué à embarquer vers le Chili. Pourtant, le ministre des Affaires étrangères l'a accepté au cours d'une interview hier ou avant-hier qu'effectivement il n'y a pas d'accord sur la migration avec le Chili et que probablement le gouvernement chilien est en train de préparer un accord en conséquence. Donc, monsieur le président, c'est encore de la peine pour compatriotes. Monsieur le président, chers collègues, entreprise autonome nous a fraîchement modernisé, nous pas gain état financier pour yo à date. Et c'est à des contributions énormes, monsieur le président, dans le budget république là. Monsieur le président, m'a noté point yo et puis finalement m'a conclu pour nous dire qui ça nous pourrait faire face à un pays cap tendé nous. Monsieur le président, gouvernement dit nous apprendre par l'entremise de plusieurs ministres au niveau de plusieurs ministères que des millions et des millions de gouttes récupérées sous label de chèques zombies. Monsieur le président, à notre connaissance et de grand public là, pas gagnant de arrestations spectaculaires pour montrer très clairement qu'il y a une lutte vraiment cap menée contre ces corrompus et ces corrupteurs dans la République là, monsieur le président. Monsieur le président, insécurité en général, comme tout à l'heure un collègue Belance t'a parlé en sapite t'a parlé Belange. Monsieur le président, c'est pareil pour Akin. Monsieur le président, nous songeons, alors moi mandé auprès de collègues moi yo et on l'est adressé à bureau pour la formation d'une commission vraiment spéciale, monsieur le président, d'urgence sous question insécurité na Akin, insécurité foncière et ça qui a passé dans le tribunal là, monsieur le président. Monsieur le président, dimanche c'était funérailles un doyen qui passait 25 ans dans le tribunal à Akin et qui était fraîchement promu juge dans la cour d'appel, mais qui a à peine fait 4 mois au cas et qui est mort. Monsieur le président, un juge qui relait Osmond Castor, lui fait radiographie de système Sahana Akin, lui pas utilisé le mot pourri, mais lui juge, lui condamne mon yo. Lui dit son tribunal qui pas fonctionner, son justice totalement dysfonctionnelle. Yon juge d'instruction, monsieur le président, li rele Osmond Castor, qui gagne le courage, peut-être le seul ou bien deux, pas qu'on est, mais c'est lui qui a le courage de le dire au vu et au su de toute assistance qui était là au cours de funérailles doyen Claude Michel, monsieur le président. Merci. Donc, monsieur le président, je termine 2 minutes parce que là, vraiment. Président, il faut me conclure parce que... Vous pouvez toujours revenir oui, à la charge. Oui, président. Donc, une minute merci pour terminer, monsieur le président. Merci. Donc, président, il y a urgence vraiment, monsieur le président, de monter tout de suite cette commission à côté de la commission pour enquêter sous question en sapit là que me soutenez fortement, monsieur le président, pour nous travailler sous question ça. Monsieur le président, m'a fini pour me dire, devant toute situation ça, président, nous avons un ministre de la Justice qui a eu une interpellation pendée sous tête malgré que je ne suis pas signataire. Mais ça mettait le ministre dans une situation de dysfonctionnement total, avec inconfortable, pour répéter collègue Alfredo de Kinskoff, très confortable.
Et puis, président, avec un commissaire gouvernement qui très clairement montré qu'il est en rébellion avec l'autorité ministre. Là. Donc, monsieur le président, je recommande à mes collègues pour sauver ça, nous capable de sauver au début de troisième année mandat noir, de convoquer le gouvernement dans son entièreté, monsieur le président, pour reste semaine qui était nous là, monsieur le président, pour traiter l'ensemble de ces problèmes, pour dire à la population qu'ap tande nous là, qu'ap garde nous, que nous pas abandonné yo mandat que yo ban nous, n'ap servi avec pour servir les intérêts de la République. Merci, monsieur le président. Sur ce, merci beaucoup. La parole est accordée au député de Port-Salut. Merci, collègue Bossé. Je rappelle, en deux occasions, ces préoccupations ont été soulevées et les deux commissions vont être formées dans le plus bref délai. Merci. Collègue Sénat, vous avez la parole. Merci, président. Président, collègue, yo, membre, yo. Et sans pas faire répétition, président, parce qu'il y a deux collègues là, tant que collègue Jacques Saint-Louis Bélange, du Mégrin Abel, Bossé, etc. Faire deux approches. Et m'a juste touché deux trois là-dedans. Par exemple, pour le problème Chili, m'a rejoint et collègue Saint-Louis, me pensait, après mon fin de semaine, en dedans et porte là, yo refoulé, pas bon ici, président, même mon monde dans l'ambassade de l'autre bois, pas même à l'oué. Moi, je fais seulement me dévouer docteur Kafin Galoué, 11 ans même l'autre bois. C'est comme si, diplomatiquement, pas gain des représentants à l'extérieur. Nous avons souhaité, jour après les affaires étrangères, j'ai une proposition et Jacques Saint-Louis pour nous faire venir avec Mounsa. Ah bon, c'est ça que je connais, ça que je vais questionner là-dessus. Ok, président. Président, pour le problème en sapite là, et je pense que ce problème là, il n'est pas en sapite seulement, président. Je pense que face à face nous avons avec la République Dominicaine, il n'est pas fait, président. Sous nos chambres des députés, même si les chambres des députés n'ont pas supporté, nous faisons une visite en République dominicaine avec collègue Guéda, collègue Gagné. Nous avons fait face à face avec le responsable du président. Des fois, on trouve de bonne foi, mais nous même pas bon ici, nous pas à la hauteur, président. Nous pas de monde qui peut faire discussion. Sous nos chambres des députés, moi-même, je fais propre démarche moi, et je délague sous groupe là. Nous avons lettre représentant Amérique au PSOMS te voye féliciter pour leadership dans le domaine sanitaire la président. Nous cherchons l'argent de $300,000 pour faciliter femmes enceintes yo accoucher boy ici pas traverser. Je ne veux dire est-ce que on bagarre qui fait? Non. Est-ce que ministère de la santé publique li agit sous ça? Non. Femmes enceintes nous toujours à prendre humiliation, tourner en sapite. Nous avons deux femmes enceintes qui mourent devant l'hôpital l'autre bord. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à prendre soin au bord la caipane. Malgré nous-mêmes, ici, à la Chambre des députés, nous faisons des démarches. Nous jeunes de moyens. Moi, je n'ai pas jamais gardé caissé. Le ministère de la Santé publique n'a pas jamais voulu faire rien. Nous continuons à traverser, à prendre humiliation l'autre bord. Est-ce que si nous avons le ministre de la Santé, est-ce que après le président? Je ne sais pas. Si nous convoquons, est-ce que la majorité est d'accord pour la convocation en fait? Je ne sais pas. Jodia, moi félicite Bureau qui monte dans la dimension ça pour comme si poser problème. Problème qui a ravagé la société, problème qui est très commun, jodia. Ça veut dire, République Dominicaine, nous pensons et vis-à-vis, il faut qu'il y ait de monde qui a fait. Président, moi, je tourne vers Bureau. Après une déclaration ministre environnement de la République dominicaine, fait qui dit nous-mêmes là, c'est de l'eau latrine n'a boue. Nous demandons pour le ministre santé pour environnement dîner pas, venir répondre à la question là. Nous voulons là-bas au président, pas jamais invité. Convocation pas jamais faite. Est-ce que ce n'est pas cautionner, n'a pas cautionné la situation? Moi, invité pour me dire, depuis le mois de décembre, la commission santé a demandé pour aller enquêter, pour aller faire des bagages, pour aller tester de l'eau. Depuis le mois de septembre, même en février, mes cours président, je dis pour le ministre, je viens là, pour le dire, est-ce qu'il a fait test sur de l'eau. Nous ne pas même temps, le ministre environnement là-bas, dit que c'est de l'eau latrine, à 95%.
dans zone métropolitaine dans cette loi ça n'a pas. Est-ce que Kounia bureau a pas cautionné situation ça? Président, me tourner sous encore mon interpellation faite président bureau a pas fait. Est-ce que Kounia journée aujourd'hui c'est majorité a seulement gain droit ou minorité est-ce qu'elle pas gain droit journée aujourd'hui pour le ministre pour questionner sous ensemble de problèmes que la population a confronté. Nous-mêmes qui côté nous sortir, c'est en dedans population. C'est ça que chaque jour nous souhaiter nous arriver dans point intérêt général. Président nous écrit au président sous ancien président Matéli qui désapprouvait la police. Nous voyons dire mais qui est-ce pour inviter là, venir répondre une question. Mais on a pas fait. Énième fois. Ah, je vais le faire. N'a parlé pas le sérieux objet. M'a parlé de rôle bureau président. Là moi même comme député moi dans assemblée moi écrit moi dit moi besoin d'un tel ministre pour qui ça bureau pas fait suivi ça. Même Jean le fait dans interpellation, même Jean le fait président. C'est député nous hier. C'est nous qui en proximité avec population plus passer kazek magistrat sénateur. Faut pression débité à prendre, c'est pas lui l'autre élu à prendre. Mais président, nous pas qu'à le souci de BRH, nous avons un déficit. 9 milliards, président. Nous écrivons, nous disons les ministres financiers, venez avec BRH, venez expliquer. Est-ce que déficit ça a continué à faire tout au long et année fiscale là? Mais président, est-ce que vous faites invitation? Non. Je ne veux pas dire souhaité bureau, assemblée à tout, mais bureau. En première position pour nous-mêmes nous montrer population que nous avons accompagné dans ensemble des situations ça yo cap que a confronté dans moment ça président nous écoute toujours sous bagaille cash management nan en imparfait nous connaît gon article en dans budget qui dit chaque trimestre faut ministre bon mon rapport me connaît est-ce que on dépenser comme ou bien est-ce que gagotel c'est rôle pan comme député 73 merci collègue alors que député Manès ensemble avec nous nous mando ça député Exantis mando ça encore président 9 milliards bon notre trimestre président est-ce que n'a multiplier par 4 ou bien n'a multiplier par 3 est-ce que c'est 4 fois 9 là qui va dire gain 36 milliards chaque trimestre pendant l'année. Mais c'est des bagages qui concernent comme député. Je ne dis pas moi-même, avant m'indexer pouvoir, avant m'indexer et munition, moi indexer nous-mêmes députés. Est-ce que nous jouons rôle nous jouons aujourd'hui? Est-ce que c'est pas nous qui quittons chance à pour nous galoper dans le pays? C'est rôle nous pour nous contrôler. Et bien nous-mêmes dans l'Assemblée, nous faisons demande dans le bon président. Et bien, parlons dans le président. Pour semaine qui va venir, nous pour un jour dans semaine là au moins pour nous faire débat sur ensemble de problèmes que population a confronté. Nous privé sous marché à collègue vous parler de déjà. Merci collègue final de pour salut. Ah, un instant avant même de la feuille avant même d'accorder la parole au prochain intervenant. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. Collègue Alfredo. La parole est accordée selon une priorité. C'est-à-dire, il y a une liste. Il y a une liste. Non, il y a une liste. Merci, je rappelle qu'il y a une liste. Merci, collègue Alfredo, collègue Sinal, collègue Manès, collègue Abel. Merci. Donc, concernant l'intervention de l'honorable député de Port-Salut, qui a pris soin d'indexer le bureau. Donc je rappelle que conformément au règlement intérieur de la Chambre des députés, lorsque 5 députés, 6 députés, 10 députés, et conformément également à la Constitution, décident d'interpeller un ministre ou un premier ministre ou un membre du gouvernement en général, donc le bureau doit soumettre la demande d'interpellation à la conférence des présidents. Et je rappelle qu'il y a eu une conférence des présidents qui avait été organisée
la conférence des présidents ne pouvait pas trancher ni fixer un instant, ni trancher ni fixer une date. Donc, qu'il plaise à la conférence des présidents de prendre. Non. La conférence des présidents avait décidé. La conférence des présidents avait décidé. Collègue Lothieu, s'il vous plaît, vous n'avez pas de motion ni de prise de parole sur le président. Merci, collègue. Donc, m'a rappelé encore une fois, dans le cas ça, conférence des présidents, c'est ça règlement intérieur, chambre n'a mandé. Les gens demandent d'interpellation pour fixer date là, faut soumettre-les à la conférence des présidents. C'est ce qui a été fait. La conférence des présidents était dans l'incapacité de prendre une décision. Était dans l'incapacité de fixer une date. Nous avons permis aux quatre blocs d'aller en concertation pour pouvoir prendre une décision afin de donner une date au bureau. Donc, non, mais le président ne peut pas fixer la date de facto ou de façon autoritaire. Donc, autre point. Bon, qu'il plaise aux quatre présidents de bloc, qu'il plaise aux quatre présidents de bloc de fixer une date. Asseyez-vous, collègue. M'a vini. Donc, m'a vini. Pour la lettre qui a été acheminée, donc béaba de la procédure parlementaire, les groupes députés écrit conformément à règlement intérieur, ou bien deux choix. Soit ou transmettre notre là à la commission, parce que la commission santé ici, je rappelle, la commission finance ici à tout pour la lettre du député Exantus, je rappelle, et à ces deux commissions, il y a deux lettres qui ont été acheminées. Aussitôt que je recevoir la lettre, donc, pour la demande d'invitation, ce n'était pas une demande de convocation, pour la demande d'invitation, il y a une lettre qui a été acheminée au ministre concerné. Donc, pour l'affaire de Martelly, la lettre a été adressée, je crois, au président de la commission justice et sécurité publique. Il n'est pas dans la salle. Merci. La parole va être accordée au député Tertius. Un instant, et collègue Sinal, et ce sont les quatre lettres que le bureau avait adressées aux différents ministres concernés. Donc le député était en voyage, il n'y a aucun problème. Merci. Collecteur Tivi Salis. Honorable président, membre Oyo, collègue assemblée, président, premièrement, félicite Biwoa pour parce qu'il ban nous espace pour nous capables de faire débat et pour nous poser problème pays. Et pendant que nous posons problème pays, il n'y a pas gagné question de ni bloc majoritaire, ni bloc minoritaire, ni opposition. Ça, c'est le problème pays à nous poser là. Là, c'est là, mes collègues Lothieu. Eh bien, nous commençons, collègues. Eh bien, si vous n'avez pas d'émotion, moi d'émotion, collègues. Collègue Tertius, pas d'émotion. Eh bien, très bien. Merci. Président. Moi-même, j'ai des remarques. J'ai un atelier qui a le travail dans l'hôtel Oasis.
yo te préparé 11 projets de loi pour nous capable voter. Mais pas oublier 4 juillet nous te votons résolution pour nous capable créer sacré les fonds parlementaires contre la faim dans pays. Mais dans 11 projets de loi au président m'paroi y a aucun projet de loi qui relative à sécurité alimentaire dans tout ça où nous gagnons menir. Or journée jodiyan le monde même a confronté des gros problèmes sans le changement climatique là qui est phénomène migration particulièrement pays d'Haïti président. Tout jeune nous gagnons qui pour aller Chili, qui pour aller Brésil, qui pour aller Venezuela, etc. en Argentine, son problème travail, son problème grand goût. Or, nous avons ministère agriculture, sécurité alimentaire, jusqu'à présent, nous n'avons jamais rien qu'à régler sur le plan agricole dans le pays. Collègues ont demandé pour être capable d'inviter ou bien convoquer plusieurs autres ministres, moins que yo pas cité ministre de l'agriculture en bas pour raison. Par le fait que, quel que soit gouvernement qui pas qu'à satisfaire ça, que l'autosuffisance alimentaire, ça, son gros problème lié pour le pays. Or, agriculture que nous considérons comme base économique pays, mais pour nous capables de faire avancer, mais en vertu des lois. Mais si nous n'avons pas des lois pour nous capables de voter pour promouvoir ce secteur, ça, que nous gagnons 80% de monde qui œuvre là-dedans, et président, nous gagnons des terres, tout, nous gagnons des terres qui sont vraiment fertiles, qui sont capables de produire manger. Pour tout pays, moi j'aime bien garantir président depuis vraiment une politique agricole dans le pays. Dans moins que 3 ans, nous avons produit manger pour tout haïtien manger. Or, problème qui gagne encore, gagne un produit OGM. Manger que mon rap manger, bay moun yo cancer, yo bay yo fè yo diabétique. Or, agriculture biologique là, en Haïti nous fait. Et pas oublier, Dominicain vient prendre des champs animaux pour y aller produire manger la caillou, tandis que nous gagnons là, nous pas qu'à utiliser. Problème pays, nous gagnons bac qui c'est bio agricole communal qui c'est catalyseur, ministère agriculture c'est au moins des bac pour qui aljouent paysan yo. Mais jusqu'à présent, tout bac était inactif. Ça qui fermait, ça, l'État pas qu'à payer, obligé de mettre dehors. Ça veut dire bac, il a fait bac. Ça veut dire que, président, dans le prochain menu qui pourra le gagner, on suggère que, faut gagner des lois, ou bien propositions, ou bien projets de loi, qui n'en menuent, qui relativement à sécurité alimentaire. Et président, je félicite Biro encore pour belle initiative qu'il prend pour nous capables poser problème pays. Et là, je dis encore, l'on a posé problème pays, nous pas dans ni opposition, nous pas dans ni bloc majoritaire, c'est problème pays à nous poser et ça concerne nous tous. Merci, président. Merci, la parole au député de Gaumont, l'honorable Fouché. Collègue Fouché, vous avez la parole. Après, ce sera le tour du député de Savanette.
Clôture et Jacques Saint-Louis. Après ça, on va continuer à l'Isle là. Merci. Salut le président, salut le membre du bureau. Salut les collègues dans l'Assemblée. Zami, année ça a des problèmes qui là non. Vent craser toute flemme en gros. Vous êtes sur la liste. Vent craser tout, jeter toute flemme en gros, pas gagne encore ni mi balai tout côté net. A dit année ça on va dans record. Collègue là dessus. Où sur liste là. Oui, nous t'a parlé après deux interventions. Voilà. Président, allez-y. Président, il y a un pile collègue qui défilait là qui parlait de un pile sujet, un pile dossier d'importance capitale. La question, est-ce que n'a pas parlé pour parler, est-ce que n'a pas débattre pour débattre, ou bien question d'intérêt général ça nous fait là, n'a pas dit 1 2 3 4 mais qui ça n'a prend comme décision. Nous parlons de en chapitre. Et là me félicite député Abel de Colline, député un peu l'autre député qui est intervenu. Mais gon bagaille gon bagaille moi voulais mettre accent sur lui jodi. N'a pas parlé de problème grand goût dans le pays, n'a pas parlé de problème la jeune dans le pays. Mais m'a attiré attention nous sur on fait. Pendant n'a pas parlé de problème en République dominicaine. Est-ce que nous connaissons, nous gagnons des centaines ou des milliers d'étudiants en République dominicaine qui admettent visa chaque fois visa est fini. Il y a des gens chaque fois qui sont malades là, au cours de la République dominicaine, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont l'acheté. Mais écoute, est-ce que, mes amis, s'il vous plaît, Tertius, est-ce que nous connaissons que je dis un instant, que, collègue Fritz. Collègue Tertius, collègue Abel, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on connaît que aujourd'hui, dans le moment où on a parlé, pour mettre un visa pour aller en République dominicaine, au besoin $350. Allez. Au besoin $350, soit le prendre dehors. Ça qui est plus grave là. Si c'est ambassadeur, elle mette le $375. Mais est-ce qu'on connaît là en décembre là, c'est $140 de besoin. On parle de question économie, là on parle de la caillou. Donc je dis, c'est ça. Dans une semaine, on a passé $1,000 américains. Ça dit, c'est hémorragie dans mon trou là. La visite, si nous ne prenons pas de décision. Et deuxièmement, le bon exemple n'a posé problème chilien parce que l'aspect que des collines te blié là dans l'aspect ça. L'aspect des collines te blié, le qu'on y a nous pas résoudre problème diplomatique yo, nous pas fait échange yo avec gouvernement. Nous connais qui problème qui posé? Pour sortir ici, les jeunes pour aller chercher la vie, les pour arriver Chili et pour aller pimper le tourné, c'est environ $1,900. Américain, il besoin. Comme ça perdu. Donc ça veut dire, je n'ai pas une responsabilité qu'on y a, puisque nous pas gérer question diplomatie, hein, pour nous connaître clair, pour nous dire, je n'ai que pas recevoir la frontière, et le gouvernement Chili a bloqué question, hein, et bien qu'on y a pour ne pas chercher l'argent, gaspiller, qu'on y a monté avion, puis pour refouler. Donc c'est $1,900 américains. Non pays côté nous, pas de comme, et c'est la vie meilleure qu'on va chercher, et on pas de chance encore. Donc nous pensons que la question que nous avons posée, parce que moi nous avons viré entre invitation, convocation, interpellation, nous pensons que faut nous dire clair qui ça nous a fait. Est-ce que nous avons convoqué et qui est-ce que nous avons convoqué et qui ça nous a parlé? Ce n'est pas le moment chaque monde nous dit, mais petit problème que nous avons. Mais nous parlons de problème pays, problème collectivité. Nous avons dit, on va équiper. Est-ce que nous songeons dans la déclaration politique générale Premier ministre? Nous te parlons de problèmes jeunes, nous te parlons d'intégration de la jeunesse. Nous te dit, et nous écrit bureau, nous te dit, faut que le nettoyage soit fait dans l'administration de l'État. Faut que le chef gouvernement cherche qu'on est dans chaque direction, dans chaque ministère. Combien de monde, mes amis? Faut nous
un renouvellement de cadre. Il faut nous rajeunir l'administration publique là. Il n'y a pas qu'être monde qui a 30, 40 ans d'administration publique là. Ils ont bloqué l'administration et puis nous pas ouvert voie à jeunes qui qualifiés, qui gagnent master. Non, mais ça veut dire que je dis, est-ce que ça fait au niveau de l'administration? Là, on a parlé de jeunes filles de cerveau, mais premier travail pour qui fait là? Combien de contractuels qui gagnent l'administration d'État? Combien de monde qui présentent vrai qu'elle fait job? Combien qui est à l'étranger? Combien de monde, je dis, qui est l'administration, c'est soutenir pour y aller dans l'administration et on continue à toucher alors que l'âge de retraite est dépassé depuis 20 ans, 25 ans. Et puis, jeunesse, n'a plein rien pour lui. N'a plein et puis nous allons toucher la plaie du droit. Avant, très bien, et collègue Sinal, pour l'autre combat qui nous fait nous-mêmes comme un acte artificiel, je dis à nous sommes au mois de mars. Il y a 90 députés qui réunis là, ils ont voté le budget. Nous faisons proposition, nous disons que chaque case, chaque cartel, alors chaque section communale, doit gagner 1 million de goudes. Et c'est la justice pour la première fois. Il y a investissement, il y a que le Parlement vote pour investir dans la section communale. Je dis à, est-ce que vous cartel, est-ce que vous section communale? Qu'on est qui recevoir comme ça. 1 million. Mais c'est le Parlement. C'est son acte législatif. Son acte législatif. 90 députés étaient là. 89 députés étaient votés pour proposition qu'on a fait. Pour te bailler chaque section communale 1 million de gouttes. Mais, n'a pas rappelé. Dans le budget 16-17, dans le budget 16-17 que nous votons là, budget rectificatif, nous votons 3 millions de gouttes pour chaque commune en notre pays. 3 millions de gouttes pour chaque commune dans le pays. À date, pas un magistrat, pas une commune. L'agence a débloqué. Dans 17, 18 encore, 7 millions votés. Ça veut dire, ça qui passe là. Donc ça vient faire 10 millions en raison de 1 million pour section communale. Mais c'est grave. Nous, le pays a chargé problème. Alors, si l'on arrive dans la commune, pas de gagner activité qui a fait. On a parlé de déficit tout à l'heure. Mais c'est une question qui doit concerner, qui doit interpeller chaque collègue pour nous connaître qui s'est passé. Si Kabouet l'a collé quelque part, et bien si c'est nous pour qui aider le gouvernement pour débloquer Kabouet l'a fait. Donc, c'est plus qu'important, président, que Jodi Ali est important et plus qu'important. Nous n'avons pas quelques questions que nous avons soulevées que nous avons besoin de réponse à qui. Donc, on l'autre fois encore. C'est qui ça n'a fait avec une question intérêt général là? Est-ce que c'est parler pour parler? Merci. Qui ça n'a pris demain si je veux comme décision? Qui ça n'a pris jeudi comme décision? C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci, collègue Foutchéri de Gaumont. Et la parole, collègue Tertis, la parole au député de la Vallée, l'honorable Osio. Merci. Merci le Président, Monsieur le Président, les membres du bureau, collègues députés. Collègue Baudelaire, collègue Alfredo, collègue Woody Deville. Collègue Woody Deville, s'il vous plaît. Collègue Baudelaire, collègue Alfredo. Allez-y, collègue Lothio de l'OPL. Bon. Collègue Alfredo, collègue Bélange, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Président, je souhaite entendre en pile député. Moi, je dis en pile député préposé à contrôler l'action gouvernementale et qui paradoxalement a vint plein là. Et là, je me demande qui l'a négocié à quitter faire de ma gauche. Qui l'a n'assiste pas de faire démagogie, monsieur? Nous sommes pris 186 millions pour nous faire carnaval. Nous pas même gain décence pour nous comprendre que nous pas cautionner carnaval pendant que lycée yo pas gain banc pour tout monde chita. Et nous pas même demander ministère culture rapport même.
18 novembre 2010, nous jouons moyen en pays qui n'a pas les épaules assez solides, même pour supporter petit minimum ça n'a pas comme défi. Nous jouons moyen louer un Boeing pour aller au Cap. Et c'est début d'accélérateur qui la donne. N'a pas vu plein là. N'a pas vu plein là. Nous sommes là en janvier 2016. Jodi a nous pouvons convoquer un seul membre du gouvernement. Nous sommes avocats, on a défendu toute la semaine journée. N'a pas vu plein là. Qui est-ce qui a quitté la démagogie, monsieur? Qui est-ce qui a quitté la démagogie ça? Qui est-ce qui a quitté la démagogie ça? Je me saisis comme ça, je suis député, je suis plein ici, plein ça. Je ne comprends pas, monsieur. Je me comprends, monsieur. Non, mais écoutez, monsieur, on est en nous. On est en nous. C'est trois zones qui sont là, oui, monsieur. C'est trois zones qui sont là, oui. Non, mais ma c'est ma toute députée là. C'est ça, moi. Mais écoutez, monsieur. Nous ne pouvons pas dire comme ça que nous sommes députés. Hein? Nous acceptons que nous votons budget. Il n'y a pas même bon rapport sur des postes. Nous votons budget encore. Il y a voté quoi pour la caille nous. Il n'y a pas de question. Nous avons défendu le gouvernement. Et puis nous avons venu là. Monsieur, pas mon tête, pas mon tête. Merci, merci. Un minimum de sérénité, s'il vous plaît. Un instant, un instant. Oui, 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 oui. Merci. Collègue Loture, prenez place. Non, vous ne pouvez pas laisser la salle. Je suis désolé. Merci, collègue Bossé, de prendre place. Collègue Sinal, collègue Exantus, collègue Jovenel, collègue Bossé, collègue Tertius, s'il vous plaît. Collègue Tertius, merci, merci, merci. Collègue Alfredo, collègue Sinal, collègue Bossé, merci. Avant même de vous permettre de continuer avec une autre série d'interventions, collègue Womel, un instant, collègue Jovenel, lui, collègue Tertius. Collègue Tertius, s'il vous plaît. Collègue Bélange-Pierre, merci. Avant de prendre une deuxième série d'interventions, nous allons permettre aux quatre blocs. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. J'appelle le vice-président de l'APH pour consultation. Collègue Guerville. Collègue Guerville, qui est dans la salle. Nous allons travailler sur les deux commissions qui doivent être formées, commission sur un chapitre et la commission sur les exactions commises dans la circonscription d'Aké. Donc, selon la configuration politique de l'Assemblée. Un instant. Merci. Collègue Guerville. Collègue Woody Deville, je vais vous accorder la parole après. Vous êtes le prochain intervenant. Oui. Attendez. Merci, collègue Woody Deville. Collègue Exantus, à défaut de Woody Deville. Collègue Jackie de GPS. Collègue Pidou n'est pas là. Collègue Vickerson de GPEP pour consultation. Collègue Exantus, à défaut de Woody Deville.
Merci. Donc, après consultation avec les quatre présidents de bloc, nous allons former les deux commissions. D'abord, une commission sur la problématique frontalière. Donc, les événements qui se déroulent. Bon. Merci. Et sur ce, nous allons demander au bloc APH de soumettre les noms des trois membres choisis après consultation avec le vice-président de l'APH. Hein? Comment? Sept. Deux commissions de sept membres, le bloc majoritaire 3, les autres blocs 1-1, et puis le bureau va envoyer un représentant. Donc, merci. Merci au vice-président des blocs politiques. Nous allons poursuivre avec le débat de cet après-midi. Donc, les deux prochaines interventions seront celles du député Oba et la Tortue. Oui. Vous êtes sur la liste également. Merci. Nous demandons au député Guerville Wilner député conséquent, vous allez prendre la parole. La parole vous sera accordée. Il s'autoproclame député conséquent. Donc, à ce titre, je l'appelle député conséquent. Jackie, collègue Jackie de Lagonave, venez approcher, venez auprès du bureau. Donc, nous sommes en train de former deux commissions. Une première commission qui se rapporte à la problématique frontalière, donc les différents événements. Collègue Sina, s'il vous plaît. Restez dans la salle. Merci. On va terminer, c'est sûr. Donc, collègue Guerville. Collègue Guerville. Les trois membres du bloc majoritaire. Trois membres du bloc majoritaire, un membre du bloc GPS. Collègue Jackie. Vous avez choisi qui? Les deux noms. Collègue Gagné, vice-président. Merci. Nous demandons aux députés de prendre place, s'il vous plaît. Le bloc député OPL et allié pour ses deux représentants aux deux commissions.
OPL est allié. Merci. Nous demandons aux représentants du bloc Vérité au PL et Alliés de nous soumettre les noms des honorables. Merci. OK. Merci aux honorables et conséquents. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. La parole va être accordée au deuxième secrétaire avant le bureau d'abord. Je rappelle que les différents blocs. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. Collègue Robin. Merci de prendre place. Merci. Je demande. Non, c'est sûr que vous allez prendre la parole, mais asseyez-vous. Donc, deuxième secrétaire, merci de donner lecture aux deux. Commission de donner lecture des différents noms, s'il vous plaît, des deux commissions, c'est-à-dire les noms qui figurent au sein des commissions. Allez-y. Pour la commission qui doit aller à Ansapid, Jacques Saint-Ville, honorable Jacques Saint-Ville. Honorable Jacques Saint-Louis, honorable Gladys Saint-Jean lundi, honorable Danis Tertius. Un instant, ça c'est pour quelle commission? En chapitre. Donc, merci, allez-y. Honorable Jacques Saint-Louis, honorable Gladys Saint-Jean lundi, honorable Danis Tertius, honorable Elias Petit-Frère, honorable Hermogène Daniel, honorable Léman Premier, honorable Willer Jean. Pour Akin,
Honorable Jovenel Louis, Honorable Fritz Chéri, Honorable La Tortue Jacob, Honorable Joseph Manès Louis, Honorable Fekier, Honorable Hermano, Honorable Bonhomme. Merci, collègue deuxième secrétaire, le micro. Merci, collègue deuxième secrétaire. Bon changement, là. Merci, collègue deuxième secrétaire. Et je demande de façon célère au secrétaire général de prendre les dispositions qui s'imposent, visant bien sûr à mobiliser les moyens permettant aux deux commissions de se mettre au travail. La parole au député Degonaïf. Après, ce sera le tour du député de Kay Lavache. Collègue Oba, prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le Président, madame les membres du bureau, collègues de l'Assemblée, Président, moi, t'as dit que l'intervention est inopportune et sans objet pour la simple et bonne raison que les collègues qui précédaient là, dont le collègue Fritz Chéri, qui épuisait en grande partie l'intervention maintenant, et le collègue Loture, qui les mêmes font questionnement d'importance. Questionnement d'importance pour qui ça? Parce que, en tant que parlementaires, nous avons deux attributions. Légiférer, faire loi, et contrôler le pouvoir exécutif. Donc, je crois que nous ne pouvons pas nous plaindre. Donc, attribution dans ces faits loi. Et puisqu'il y a notre mission de contrôle, c'est nous pour exercer, nous n'avons personne qui va exercer pour nous. Si nous ne pouvons pas exercer, nous ne pouvons pas nous plaindre là. Même parce que quand même, Président, c'était important pour m'être intervenu, malgré que objet d'intervention dans ta sens est épuisé, mais qu'on aspect que moi que pas touché du tout, Président, dans toute intervention que vous faites là. Président, il y a 3 semaines et même plus, à travers toute la République d'Haïti, des jeunes filles et des jeunes garçons, particulièrement ceux-là qui sont dans les lycées, à travers les rues, tantôt Gonaïve, Cap-Port-au-Prince, à Jérémy, partout ailleurs, à travers les rues chaque jour, à manifester. Et nous sommes au mois de mars, à quelques mois de fin d'année scolaire, là, par l'examen officiel, dans, tant au niveau fondamental qu'au niveau maintenant du secondaire. Dans la rue, pour qui ça? Parce que pour vous, ce n'est pas venu travailler. Pour ce n'est pas venu travailler, pour qui ça? Parce que vous n'êtes pas touché. Comme on a fait un pays, que des mondes qui sont dans la salle de classe, des professeurs, qui pendant 3 ans, 4 ans, qui affectent dans la salle de classe, qui ne peut recevoir aucun émolument. Qui motivation pour recevoir ça? Qui calque dans ses mains qu'il a dispensé à nos jeunes, jeunes qui ont appelé à assurer l'avenir de ce pays, Président. Président, pense que l'important aujourd'hui à là, Jean Fritz Chéri se dit tout à l'heure, alors collègue Fritz Chéri se dit tout à l'heure là, ce n'est pas intervenu, ni micro pour intervenir, ni micro. Pour nous dire question d'intérêt général, question d'intérêt général, je pense que l'ensemble d'interventions faites là-haut, tu as supposé faire un ensemble de réflexions parlementaires pour nous dire quelles sont les dispositions qui seront prises après séance là par rapport à tout ce qui est au Président. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, c'est tout au moins, il faut le faire objet maintenant d'invitation au Parlement pour venir expliquer pourquoi ça ne peut pas toucher. Président, c'est que ça n'a pas fait, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'avenir de ce pays, Président. Merci, Président. Merci, collègue Clovis Oba. Honorable Président, membre du bureau, chers collègues, juste avant de faire intervention, je fais un point pour un collègue député qui n'est pas dans la salle là, mais qui a une urgence qui pour point fait pour lui, qui est collègue et Chalito, nous tous relais Chalito, qui est député de Torbec. Chalervé, nous tous relais Chalito, c'est député de Torbec. Il y a 2 commissions qui fait là pour aller enquêter en Sapit et Akin. Pour problème, Akin c'est pour Mounio décapité.
Actuellement, là, dans Tobèk, il y a deux jeunes garçons qui décapités. Je vois l'image sur le téléphone, ou en président, sous garde Kounia après. Donc, si a fait deux commissions, une pour un sapit, une pour un fok, une troisième commission faite pour aller Tobèk immédiatement, parce qu'actuellement, là, il y a un kay kap boule, il y a un moun kap mouri, parce qu'il y a deux jeunes garçons, une qui soi-disant, un gars dans la zone, ils ont coupé tête tout de yon, entre yon, dans la koulakali, et le peuple a déterré, et il y a boule kay dans la zone, tué moun. Donc, étant donné moi-même, moi, c'est député du peuple, je ne suis pas égoïste pour me dire que c'est député au kaki la vache. On bagaille comme ça passer même les collègues Chalito pas là pour me revendiquer pour lui. Donc moi mandé pour une commission faite spécialement et rapide au presto pour aller dans circonscription Tobèk Chantal, particulièrement dans commune Tobèk et dans zone qui est les Guillem. Dans zone qui est les Guillem pour aller enquêter sur bagaille ça parce que c'est gros acte malhonnête qu'a fait là kaya pour les mon amour. Merci. Je rappelle au député qui a déjà une commission qui va se rendre dans le sud. Donc la commission va en profiter, si vous voulez, pour travailler sur ces cas que vous venez de relever. Merci. Merci collègue de gagner votre place. Non, je n'ai pas encore fait mon point, président. Ok. Moi-même, président, et moi aussi consterné et aussi tavlé rendre tête moins coupable de problèmes qui gagnent dans le pays. Mais nous gagnons un moratoire que nous baille et gouvernement Moïse Lafontaine dans domaine immigration et émigration, particulièrement dans dérive qu'a fait dans Chili, dans Saint-Domingue, Brésil, Argentine et j'en passe. Pour qui ça? C'est parce que moi-même, malgré ma commission affaires étrangères, moi déplacé plusieurs fois comme étant député m'aller non seulement dans le ministère des affaires étrangères moi WPM dans sous question ça et actuellement là et ça fait depuis plusieurs mois président Jovenel Moïse Gon un an depuis le monté que yo campé question nomination moun dans ambassade yo nettoyer yo nous pral garder dans année qu'a venir yo moun yo pral mettre est-ce que jeune qui étudie relations internationales yo qui formé pour ça yo. Est-ce que vous pouvez quitter à terre pour prendre des gens en fonction des amis taille, en fonction des gens qui sont amis députés, ses amis sénateurs, ses amis ministres, même là vous pas qualifié pour dérive la continue. Parce que je dis à fond, tu poses des questions, qui compte le problème? Si vous mettez un monde Saint-Domingue comme un consul qui là pour défendre les droits ressortissants haïtiens en République dominicaine, moun n'a pas qualifié même moyen de moun n'a pas fait au lieu qu'elle tape fait ça comme il pas qualifié pour faire c'est dans raquette dans contrement moun ça rentré comme un dominicain pral respecter haïtien moi même comme député qui comprend que sous ces peuple là que voye mais c'est pour lui venir travailler me bat tête moi obligation pour moi pas al faire prendre moun par le népotisme qui pour dire parce que c'est député faut que mettons moun consul you moun ambassadeur pour moi même les moun n'a pas qualifié pendant ce temps il y a des écoles des relations internationales dans le pays qui forment des gens et des jeunes haïtiens qui sont formés à l'étranger qui sont capables, ils ne sont pas jamais insérés dans le système. Non, c'est des gens qui sont rentrés là-dedans qui ne sont pas même à la hauteur. Mais nous connaissons que le président Jovenel, c'est un an, gens qui sont là avant le gouvernement. Ça, merci. Nous avons gardé dans l'année qui vient. Est-ce que vraiment le gouvernement ça qui là, est-ce que les gens mettent les gens dans la place de après vous, est-ce que vous ne prenez pas les gens en fonction de la capacité? Laissez-moi terminer. Je vais terminer, président. S'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, dans ce sens, moi, demande à tous les collègues députés. Terminé. Moi, pour conclure, je demande à tous les collègues députés à tous les collègues sénateurs. Pour nous-mêmes, pour nous retirer tête nous en bas épée Damoclès, pour nous pas proposer aucun monde dans la diplomatie, pour nous quitter le gouvernement, choisir des gens en fonction de compétences, pour nous mettre dans la diplomatie et ne pas remplir la fonction en bien ça, pour nous prendre propre responsabilité, nous-mêmes pour exercer le pouvoir de contrôle. Nous. Merci, président. Merci. Je pense que c'est une brillante intervention et cette intervention doit être appliquée à l'administration publique en général. Merci. La parole au
aux députés Hermano et député Alfredo. On va conclure après ces trois interventions. Député Baudelaire et député. Trois dernières interventions. Merci. Et je rappelle que le député Descailles, un instant, vient de faire une brillante intervention et sa position doit s'appliquer à l'administration publique en général. Merci. Merci, Président, mon bureau, collègues de l'Assemblée et collègues au bas. Merci pour l'intervention, ça fait un plaisir. Président, m'rale, c'est les problèmes que posé en dans le pays. Et pas oublier nous-mêmes, nous sommes représentants du peuple. C'est-à-dire nous là pour nous suivre l'exécutif là. Que ce soit dans le niveau Bordeaux-Prince, que ce soit dans le service déconcentré. Et problème qui est dans le pays, si nous-mêmes, nous pas apporter contribution pour nous résoudre les questions de jour en jour à compliquer plus. Et là, ça nous-mêmes qui contrôlons le gouvernement, nous-mêmes qui avons une relation avec les ministres, et nous avons trois gros problèmes dans le pays, c'est que si nous pas chita sur yo, pour au moins que nous réagissons sur yo, ça, libéral faire, on va gagner une face pour le pays. Un, nous avons un problème dans le système d'éducation. Un point comme exemple. C'est vrai que nous disons, quand plus manifestation, j'ai un collègue là, et Jacob Soudilan, a fait dans le pays, lycéen, toute l'école a fait manifestation attestant que les professeurs n'ont pas touché. Nous-mêmes, tout, en tant que députés, oui, nous tenons compte de ça, nous tenons compte de ça. Mais, problème, nous posons tout. Parce que, il faut garder tout, nous-mêmes, tout, au niveau de la chambre, non? Est-ce que, effectivement, il y a des côtés qui ont problème, nous posons, est-ce que, des côtés, tout, problème, c'est pas créer un problème, nous? Comment, quand on prend le président, dans pile l'école qui a une manifestation là-dedans, dans le pays, par exemple, là, quand même, la chapelle, lycée a fait manifestation. Pour qui ça? Pour vous, c'est pas touché. On lycée, gain, 21 professeurs la donne, il y a 19 qui nommés, il y a 2 qui pas nommés. Et chaque nommé, même quand c'était l'air, on m'a dit, ça veut dire que, au moins pour corriger l'État, il faut au moins que nous-mêmes nous fassions, il faut qu'on effort pour nous faire sous ça. Et si nous prenons exactement tout le lycée dans le pays, on n'a pas de problème de poser tout côté. Quand c'était l'air, il y a pour le travail, il n'y a pas de travail. Dans l'école fondamentale, les gens qui ont un chèque là dans le pays, ils ont touché, ils ont à l'étranger, tout côté, ils ont fait un travail. Donc, comment on résout l'État comme ça, pendant que les gens qui sont dans l'État n'ont pas pris responsabilité pour résoudre. Même parce que nous-mêmes, en tant que parlementaires, il faut nous fouer, nous garder, nous garder tout. Nous forcer les munitions à porter correction et laisser monsieur certains n'avoir un crédit dans le budget pour au moins que nous compenser les problèmes qui viennent dans le pays. Un problème de la justice, président, ça va être chargé dans le pays. Parce que la commission éducation nous demande qu'il faut la ville. Un problème de justice là. Tout le côté de notre pays, nous avons tué une manchette. Bon, l'autre jour, vous pouvez aussi, la chapelle, le côté pas, j'aime bien, par exemple, on a regardé les amis, ils tirent les gens. Les gens marchent dans le figuier, comme ça, aucun monde n'a pas gagné au deal. Ça veut dire, au moins, même si nous disons système judiciaire, pas judiciaire indépendant, mais nous-mêmes, nous là, tout pour nous forcer au travail. Ça veut dire, sous base ça, moi, je suis certain, on a regardé pour nous, si vous avez un commissaire gouvernement qui a nommé dans le pays, il y a un juge d'instruction. Le juge d'instruction n'a pas reflété la question. Ministère de la Justice, mais commissaire gouvernement, c'est le ministère de la Justice qui nous met. Même parce que dans quatre nominations, il y a fait un monde ça pour mettre dans le pays, pour réguler le système judiciaire là, même parce que faut nous forcer à faire avec un peu d'équité. Troisième problème, c'est le problème de santé. Tout côté dans le pays a un problème sanitaire. Si nous regardons dans le système, nous avons une quantité de monde qui émerge dans le système de cap touché par le travail. Même parce que nous-mêmes, en tant que parlementaires, parce que nous-mêmes, nous, il faut nous forcer, il faut nous fouiller, il faut nous garder tout problème qui est dans le système, et laisser ça la permettre que nous portions amélioration par rapport à ça qui est. C'est pas ça, nous avons fait tout ça capable, nous n'avons jamais résolu ce problème, non, parce qu'il y a retiré, il y a metté, et même j'ai un député au bas de ce deal-là, j'ai un député à ce deal-là, n'importe quoi, le président est bien précisé. Non, pour l'administration publique. Non, non. Le général, c'est là, il dit, pas une blague là. Non, pas une blague là. Ça veut dire sous ça, parce que consciemment, parce que nous-mêmes, tout en tant que parlementaires, nous avons une circonscription dans le niveau communal. Il faut au moins que nous fouillions, nous gardions ça. Merci. La parole au député de Keskov.
Kenskoff, les Anglais et Baudelaire après ça. Il n'y aura plus d'autres interventions. Merci, merci. Merci. Monsieur le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, comme collègue Bélange déjà dévancé, moi-même partager douleur que circonscription en chapitre a confronté parce que commune Kenskoff, les limitrophes avec Seguin, qui sont localités qui dépendent de, du département du Sud-Est, et gain en pile monde qui habitait dans zone limitrophe ça dans commune main qui traversait qui allait dans département Sud-Est dans Tchot et dans Bélance dans commune collègue en Sapit, merci. Collègue Alfredo, ne vous laissez pas intimider. Collègue Abel, merci. Collègue Alfredo, vous suivez. Pas du tout. Non, circonscription en Sapit et qui a le travail en République dominicaine. Monsieur le Président, moi-même m'a demandé, collègue, c'est vrai que loi qui a une incidence sur le budget, nous-mêmes nous pas capables de proposer. C'est un projet de loi qui est lié. Et m'a proposé parce que en pile moun sa yo ressortissant haïtien yo qui quitté pays a qui a le travail en République dominicaine et les arrivé dans qui sa yo a le travail c'est dans question agriculture. Nous pour que nous proposer à gouvernement pour que yo même yo institué un fonds de développement des zones frontalières qui pralait uniquement qui pral investi dans question agriculture pour que zone frontalière ça yo un fonds national collègue des collines ou a parlé de fonds Union européenne mettez donc faut nous suspendre dépendre de blanc merci, on parle de un fonds local collègue Alfredo un instant ne vous adressez pas directement au collègue Abel, adressez-vous à l'Assemblée. Merci. Monsieur le Président. Et très bientôt, m'a répondu à collègue Sinal qui t'a fait une intervention parce qu'elle parlait de question de l'eau que un officiel dominicain t'a fait référence, dit que nous-mêmes en Haïti, que n'a consommé de l'eau qui n'est pas potable. Mais m'a rappelé collègue. Collègue, côté ambassadeur dominicain, t'a participé et m'te wè que c'est Aquafine que le taboué qui sont de l'eau locale. Donc, si officiel dominicain t'a fait référence avec de l'eau que nous-mêmes n'a consommé, li capable. Merci. Merci pour cette publicité gratuite. Donc, la parole... Président, je vais finir, je vais conclure. Collègue Bossé parlait de que gagnant, que gouvernement, que gon problème budgétaire, parce que gagnant... Collègue Alfredo, un instant. Collègue Goba, s'il vous plaît. Collègue Alfredo, vous ne devez pas indexé un député en particulier. Je vous rappelle que nous sommes aux questions d'intérêt général. Questions d'intérêt général. Allez-y. Mais OK. Donc pour conclure président, donc me renfermer dans position que bureau a déjà adopté pour que une commission vraiment qui allait et porter secours et à l'enquêter sur problème qui gagne dans zone frontalière ça. En chapitre pour que nous fassions des recommandations avec le gouvernement pour que au niveau de zone frontalière pour que gain plus investissement qui fait pour ressortir ça haïtien capable rester la caillou pour travailler. C'est vrai que problème ça nous besoin stabilité politique dans pays
Nous besoin climat qui serein pour bouleversement social qui gagne capable résoudre pour problème ça capable résoudre définitivement. Merci. Merci député Jacques Létan. Député Daniel Létan. Vous avez la parole. Collègue Jess, merci de siéger, s'il vous plaît. Député Létan, et ça arrive, nos grands frères qui s'élèvent, oubliez. Député Daniel Létan, allez-y. Merci, président. Mon bureau. Président, mon grand bagaille important qui attire l'attention. Il paraît qu'il pas attire l'attention aucun collègue dans l'Assemblée. Nous constatons un phénomène de bidonvillisation chambre députée. Espace physique chambre députée. Juste à côté là. Un instant, collègue. Je rappelle que ce problème est un problème interne qui va être posé. Nous sommes dans l'intérêt général, président. Collègue, je vous rappelle que nous sommes en direct à la télévision. Ce problème va être posé. Huit clos. Okay. Merci. Ah ben d'accord. Merci. Deuxième bagaille, président. Gagne quatre routes qui menaient pour venir dans la chambre députée là. Gagne route La Saline, gagne rue des Cazennes, rue Chandmas et route de Carrefour. Oh. Route de Carrefour. Non, pour l'instant, pour la chambre députée là, pour pas voie terrestre. Voie terrestre. Pas voie terrestre. Moi, constaté. Hein? Allez-vous, paysan. Collègue, terminez, s'il vous plaît. Moi, je voulais attirer l'attention à la chambre députée. Et chaque collègue qui l'a. Les pour nous venir dans la chambre députée là. Moi, je dis qu'il y a quatre routes qui mènent dans la chambre députée là. Mais nous-mêmes, nous disons ces députés, nous y est. Et nous, chaque qui l'a. Oui, c'est Jean-Louis qui t'a dit d'aller. Nous disons ces députés, nous y est. Moi-même, je suis pas député. Mon ami, silence. Quatre routes, ça y est. Je dis à la, sous une urgence dans la chambre députée là. Ou besoin rentrer chez Chandmas, rue des Cazennes dans bloqué. Gon go tout la donne là, bois primature. Ministre travaux publics la descend là, premier ministre la descend dans zone là, député yo descend dans zone là, cadre dans parlement descend dans zone là. Maintenant, chaque jour nous dit n'a invité ministre, n'a invité cadre dans ministère yo, pour qui ça nous pas fait exigence. Nous-mêmes qui dans l'espace chambre députée là pour route qui menait dans chambre députée pour réparer. Rue des Cazennes. Rue des Cazennes. Rue Chandmas, là a passé là son véritable galimatia. Sous gon urgence pas gain côté pour même courir. Si on t'a dit y a craser machine députée là ou bien a fait des trois roches députée va contre ni pour le faire à gauche ni pour le faire à droite. Moi crois que bureau à que nous mettait dans chambre députée là. Oh, ah, mon cher. Moi-même, si pas grand rien qui fait, l'un jour qu'a vini yo nous répond faire invitation dans chambre députée, c'est deux grenes nèg qu'a fait ou bien trois grenes nèg. Ou bien deux grenes femmes ou bien trois grenes femmes. Maintenant, moi quoi li impératif pour gagner pour nous mettre costume de député sur nous messieurs pour nous connaître fonction parlementaire qui s'allie monsieur dame les nous inviter au ministre vin là pour collègue yo suspend à passer mais la tête ministre là dit ça c'est nèg bam et chaque fois ou même comme collègue parlementaire comme collègue député les inviter les inviter commission inviter ministre là ou passer mais la tête li les ça ou diminuer pour pouvoir débuter. Et
Merci de terminer, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé, président. Mais il faut terminer. Non, mais je n'ai pas terminé. À un moment donné, très abondant.